Ah, j'ai pas fait gaffe, t'as 100 millions de V-Bucks. Le truc qui pendouille entre ses jambes, ça me... Ah, j'ai modifié les CID de la boutique, mais après, si tu veux, je peux échanger en d'autres choses. Hey, salut à toutes et à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui au programme, vous l'avez vu dans le titre, c'est le retour de notre copain le hacker. C'est le retour du célèbre, du fameux Alki. Vous savez là, quand il nous avait montré ses skins bizarres qui n'étaient pas encore sortis là. Aujourd'hui, il a une nouvelle dinguerie à nous montrer, le copain là. Il peut retourner aux anciennes saisons de Fortnite. Il y a d'autres petits trucs à nous montrer. Enfin, je vous spoil pas, vous allez voir, ça va être bien sympathique. On va lancer ça dans quelques instants. Juste avant, hein, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner pour les petits nouveaux, à mettre le petit pouce bleu pour les copains fidèles à la chaîne et déjà abonnés. Et puis voilà, c'est parti hein, du coup. Tu m'entends Alki? Ouais, donc là les copains on est sur le Discord, je vais mettre en plein écran parce que comme vous savez tout ce qui est skin modé ou certains trucs comme ça, ça se fait qu'en local, donc je pourrais pas vous montrer à moins d'être en partage d'écran sur son jeu à lui. Donc qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui Alki? Là pour l'instant je comprends rien. Ça c'est les codes d'accès. D'accord. C'est les codes pour entrer. Voilà. Ah et donc là c'est... Ouais ok. Mais on s'en fout, c'est des fausses adresses hein, donc... Ouais. Ah tu mets vraiment n'importe quoi et ça marche? L'arrobase et le point. D'accord, ok. Du coup, ça, c'est le créateur du truc, hein. Et là, nous voilà, sauver le monde. Ah ouais. C'est marrant parce qu'il y a quand même le truc, tu sais, de l'image du Battle Royale, c'était le roi de la tempête. Ah ouais, putain. Bah ouais, tu me l'as déjà montré, hein. Je fais le surpris en fait, mais je l'ai déjà vu, tu sais. Ça, je l'avais déjà vu. Donc voilà, il peut retourner sur les anciennes saisons du chapitre 1. Et là, ouais, c'était le lobby du coup de la saison 9 ou 8, je sais plus. Ah ouais, donc l'ancien poste de combat. Et une question que je me pose, du coup, tu peux pas acheter tout ce qui est boutique, tout ça? Non. Oh, j'ai pas fait gaffe, t'as 100 millions de V-Bucks. Et du coup tu peux acheter juste pour voir ce que ça fait? Non j'ai tout en fait. Ah ouais ok là ouais là tu m'avais montré aussi la boutique avec tous les bambis du coup. Ah ouais c'est marrant ça. Et dans casier du coup t'as quoi? On va commencer par les traîner hein. Ah ouais du coup t'as tous les trucs du jeu. Oh c'est cheaté. Ces planeurs là. Et là ce qui est bizarre aussi c'est que tu vois le planeur bambi en fait à chaque fois il a une position différente. Ah ouais? Oh putain ouais tous les planeurs que t'as c'est incroyable. Et t'as tous les trucs les plus rares du jeu du coup. T'es trop stylé. On a celle-là, donc on sait pas ce que c'est. Ouais. Pioche de test. Oh putain. Et t'as mis les nouvelles du chapitre 2 du coup? Non, parce que c'est de saison 1 à saison 9. D'accord, ok. Oh putain mec, t'imagines là? Ceux qui ont vraiment ce casier là alors qu'ils l'ont acheté sur le jeu? En fait, Alki devait nous remontrer la cape Takoselama qu'il nous avait fait il y a quelques mois de ça. Il nous avait créé notre propre cape. Mais là, apparemment, il n'a pas mis sur son jeu, c'est fail. Ouais, elle ressemble à ça, normalement, la cape. Et t'as des skins modés ou des trucs que t'as créés, du coup? Bah là, du coup, je peux clairement tous les modés. Hein. Putain, ouais, s'abuser. Galaxy, tous les skins du jeu. Celui avec la tête de citrouille, j'aime bien. T'as créé des skins sans faire exprès? Oh bah, oh, il est trop stylé, celui-là, comme ça. J'ai essayé de le reproduire. Ah ouais, il rend super bien. On dirait limite un skin fait exprès. Celui-là, c'est Phase Mew. Wow. Pourquoi il n'y a pas la tête? Celui-là il est bizarre aussi hein. On serait pas à dire en plus si on dirait de la pierre. Pareil pour celui-là, on dirait il s'est roulé dans la boue là celui-là. Celui d'avant, il s'est roulé dans la boue. Planeur Galaxy. Ah bah oui je vois bien du coup hein. Franchement celui-là je le trouve beaucoup plus stylé que celui de base hein. Carrément. Et c'est quoi le skin derrière? C'est Telem? Il est sorti dans le jeu celui-là? Ah ouais. Moi j'ai jamais vu. Et pourquoi t'as pas le fond d'écran derrière? Il n'avait pas à la saison 3? Ah ouais ça ressemble à ça. Ah bon je me souviens plus. Honnêtement je me souvenais plus. Donc là c'est la cape modée Takos que tu voulais faire tout à l'heure. Oui c'est ça. La cape des copains. Bah, le tuto par contre sur la chaîne je l'ai mis en privé. S'il y a des copains, si jamais qui sont intéressés peut-être par la cape qu'on a là, on la postera sur le Discord. Alti, je sais pas si tu as sur ton site ou autre part peut-être. Si tu veux je pourrais la mettre. Pas mal, avec la cape Takos là-bas en plus. Le Steam Phase Mew. Ouais franchement. Par contre le truc qui pendouille entre ses jambes ça me dérange un peu. C'est qu'un micro hein. Ouais mais ça me dérange un peu quand même tu vois. Refais le danser s'il te plaît. Oh non moi ça me dérange franchement hein. Voir le truc pendu entre ses jambes ça me... Non franchement non. C'est très bof. Mais comment ça se fait que t'as les bambis comme ça dans la boutique? Ah j'ai modifié les CID de la boutique mais après si tu veux je peux échanger en d'autres choses. Ouais. C'est le premier skin du jeu quoi normal. J'ai celui-là, je sais pas si tu l'as connu. Ouais. Terrorfew ou je sais plus. C'est marqué quoi? Epic Games dessus? Ah d'accord. Ouais. C'est marrant qu'est-ce qu'il les cheveux blancs. C'est marrant. Ouais, il est sympa aussi. Il a 4 heures à le créer. Franchement, il est propre, je trouve. Hein. Le jean et tout, bah, on dirait vraiment genre un personnage que tu peux avoir dans GTA limite, tu vois. Après, on a le Nike. Non, il est bien. J'en fous. Non. Critiqué en disant qu'il était mieux en les cheveux en noir. Bah, il y a celui-là que t'as dû voir sur le Discord. Oui, je l'avais vu. Ouais, ouais, pas mal aussi, ouais. Et franchement, ouais, il est pas mal. C'est marrant aussi d'avoir des trucs comme ça, les planeurs que les gens ils ont pas du tout. Ah, tu peux carrément modifier l'image qu'il y a sur l'écran? Ah, c'est trop bien! C'est génial. Ah ouais carrément. Je crois que c'est un des meilleurs trucs modés que j'ai vu. Vraiment parce que là en plus il est animé tu vois. Ouais je l'avais la traînée là des papiers de toilette. Oh mais bah, papier de toilette en galaxie c'est pas rien. Ouais. C'est un mélange entre du bronze et de la terre, on saurait pas dire ce que c'est. Et la tomate elle est figée dans la pierre.
Non bah c'est déjà pas mal. Bah écoute, sinon on fait comme d'habitude. Dès que t'as des nouveaux trucs encore, bah tu me fais signe. En tout cas, c'est que c'est marrant de pouvoir retourner aux différentes saisons et mettre les anciens accueils comme ça, mais c'est dommage qu'on puisse pas carrément l'avoir en jeu, tu vois. Si un jour ça on peut, par contre, faut directement qu'on tape des vidéos dessus. Hein. Bah en tout cas, merci beaucoup de nous avoir montré tous ces petits trucs là encore, Alki. Puis voilà les copains, écoutez, j'espère du coup que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire ça en mettant le petit pouce bleu, en vous abonnant pour les petits nouveaux. Il y a aussi les informations d'Alki dans la description. Puis voilà, on se recap très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Raifid, c'était votre tonton Tacos. Ciao ciao. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul, these pills leave you empty and